Nous conscients qu'il y a des personnes vulnérables telles que les enfants, les personnes âgées et les autrement capables puissent être protégées à tout prix. Mais ben, ce qui en charge de ces personnes vulnérables-là, fin trouve autant de difficultés qu'en ben crèche et ben home petit fermier. Et là, il bien prend congé à tour de rôle pour guider les enfants. Solution qui peut être proposée, c'est un home caring service personnalisé incorporant technologie comme une base du processus. Tout d'abord, un website et une application mobile contenant tout le détail du home service caring. L'application propose une notification nécessaire et aussi permettre le client pour guider les enfants, personnes âgées ou autrement capables. Si au cas où vous êtes une subscribe à nos options de caméra facilitées, code WeCare pour installer la caméra à la maison du client. WeCare pour embaucher ban home carers d'après ban critères spécifiques comme l'expérience, l'âge et habilité de communication. Le but du WeCare, c'est la possibilité pour clients gagner caring services dans le confort de ce, la case. Ou pas besoin de quitter, venir chercher, ou pas besoin de venir côté nous venons côté où. Et aussi, nous pouvons travailler avec un potentiel personnel dédié pour qu'il soit capable de faire livraison de médicaments à mon client au cas où nécessaire. Côté de ce projet, premièrement, différent, innovant, et deuxièmement, rentable. Est-ce qu'il est rentable? La cause que je connais, in-home carers vient très cher. Nous pouvons incorporer technologie, c'est-à-dire à travers un website, nous pouvons capable un parent peut trouver ses enfants comment il peut faire à la maison. Il est capable pour une personne âgée et aussi une personne handicapée. Mon accord, il coûte cher. Le pourcentage de rémunération qui WeCare pense pour prendre, pour diminuer les caméras facilities, paiement online, tout ça, c'est mon added benefits. Vous connaissez aujourd'hui, un dimanche 80 par année, les comptes qu'on a dit, un dimanche assez autrement capable. Il y a une difficulté pour moi, c'est il y a une difficulté pour déplacer. Alors, nous pouvons still refine the project to add added benefits to handicapped person, to our senior citizens. Ce projet-là, tel quel que vous pouvez présenter, il peut toucher toutes les couches de la population, du bas de l'échelle au haut de l'échelle. Pour prendre l'exemple, il y a des gens qui pas travaillent. Ils sont déplacés, mais il y a un enfant à la maison. Ils ont envie un home care for one day. We provide this flexibility. Si dans un package et dans un service, vous trouvez les pas nécessaires, comme disons, des affaires médicaments, c'est pas des affaires caméra facility, alors vous retirez cette option-là, le coût du home care diminue. Okay? Et nous pouvons travailler avec différentes options pour que nous puissions faire ce projet-là, ce service-là, être affordable pour toute couche de la population. Est-ce que vous avez déjà développé une appli avec website? Oui, nous avons développé une appli avec website. Le problème, en fait, qui nous était aujourd'hui, c'est la pollution, et plus précisément la pollution qui m'a buté en plastique fait dans l'environnement. Ici, à l'île Maurice, par an, il y en a 76 000 tonnes de déchets qui produisent. Parmi ces 76 000 tonnes de déchets-là, il y en a 1 300 tonnes de déchets qui sont en bouteille en plastique. Deux peut présenter aujourd'hui une boîte 100% biodégradable qui fait à travers le carton. Donc, l'effet positif que le carton a sur l'environnement comparé au plastique, c'est que déjà, lors de sa production, il fait des fois moins de carbon emission dans l'atmosphère. Deuxièmement, le carton est à 92% recyclable. It's time to put the planet first and stop using single-use plastic water bottles because there's a better solution. Boxed water, the plant-based carton that's putting plastic in its place. Qu'est-ce que vous en faites de la partie qui n'est pas recyclable? Et expliquez-nous aussi comment cette boîte qui est en carton est imperméable. En fait, les 92%, c'est que la boîte en carton. Et 5% de la boîte, c'est un aluminium foil qu'on place à l'intérieur qui aide à garder le liquide cire. Qu'est-ce qu'on fait du 8% restant? Alors, les 8% restants sont catégorisés en aluminium foil et le cap qui est de 3%. Mais comme c'est un bonded aluminium, plastic and paper, le recyclage de ça est essentiellement comment? C'est très difficile de recycler, je présume. Alors déjà, le produit, ça peut être recyclé comme du carton qu'on a déjà, pour le même processus. Mais si le plastique ou l'aluminium est bonded, ça ne peut pas être recyclé, je pense, normalement comme le carton.
Si. OK. Comment est-ce que cette innovation va aider dans l'économie circulaire? Déjà, on peut essayer de créer des produits ici même, parce qu'on a déjà des industries qui sont déjà spécialisées dedans. Et on peut aussi utiliser les procès qu'on a déjà pour recycler les bouchons, comme on le fait déjà avec des produits actuels qui sont en plastique. Vous êtes bon pour l'innovation. Qu'est-ce que vous allez faire pour transformer ça? La première étape, ce serait de raise le maximum d'awareness à travers ce produit. Comme quoi, il y a une meilleure alternative que le plastique qui continue à polluer nos environnements et qui pollue l'environnement pendant une plus longue période de temps qu'une boîte en coton. On enlève les bouteilles de plastique, on commence à éliminer. De l'autre côté, on utilise du carton. On tient la main gauche, on tient la main droite. Vous permettez-moi de comprendre que l'aspect écologique, vraiment, et l'aspect innovateur, comme mon collègue dit. Comparé à une bouteille de plastique qui reste dans notre environnement, si on le laisse dans la nature, par exemple, ça va prendre minimum 500 ans pour complètement biodegrader, et même pas complètement biodegrader parce que ça va rester en termes de microplastique. Donc, comparé à ça, la bouteille en carton, si on le laisse dans un environnement ouvert, on va dire dans la nature, en un minimum d'un an, ça va complètement se biodegrader, même avec le thin layer of plastique qui est déjà BPFE. Premièrement, c'est un projet bien challenging. Il n'est pas aussi évident pour nous de rendre une alternative à une bouteille plastique aujourd'hui. Mais je pense que l'effet qui s'accarve dans l'environnement est beaucoup plus meilleur qui nous servir de bouteille en plastique pour le futur. Nous concevoir un projet de zéro pollution pour un bateau qui est unique au monde, à soi à une heure. Zéro pollution atmosphérique, sonore, whatever. Comment ça travaille? Il n'amène pas de soleil là-haut. 6 batteries de 48 volts, très performantes, et au bord électrique. Il nous fallait quelque chose qui soit very shallow draft, il n'y a qu'un pied, les deux, 30 personnes dessus. Et il fallait que ce soit très stable et aussi virtuellement unsinkable. Les panneaux solaires envoient sur la batterie sur les moteurs. Pour rendre ça encore plus indépendant, nous avons installé une éolienne verticale. Elle fournit du courant sur des batteries normales pour la navigation. C'est un atmospheric water collector. Il produit 15 à litres d'eau par jour, gratuitement du Atmospheric Collection. Il y a un potentiel pour l'export, il y a un potentiel d'adapter pour la pêche. Je vous donne 50 000 roupies maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 50 000 roupies? Adapter ce produit pour les pêcheurs. C'est-à-dire, il veut changer la quille, il faudrait faire une quille pour permettre d'aller en dehors du lago. Le soir, il n'y a pas de soleil. À quel point votre bateau est autonome en termes d'énergie pour que les pêcheurs retournent? Il y a au moins plus d'une journée d'énergie normale. Le scénario, c'est que le moteur coupe, etc. Ils ont communication, ils attendent les secours, ils ont de l'eau, ils peuvent pêcher. En termes des coûts de production, l'income que vous pouvez generate. Donc on va créer des historical cruises pour permettre que ce soit un self-funding. C'est un bateau qui est totalement autonome. Il produit son propre délo. Il a sa toilette compostable. Donc, les zéro pollution. Très intelligente les questions du jury. Et mon corps, je ne comprends pas ce qu'il nous fait là, c'est unique au monde, impénant. Parce que nous pouvons aussi servir du vent. C'est-à-dire, nous mettons un kite à l'île quand nous allons dans le wind. Donc, ça a été fait pour montrer qu'on peut se servir God-given power without pollution. Quand on le suit, le bateau-là n'est pas tant dans rien, mais tandis là, il y a du vent. National Innovation Challenge, Innover Maurice, un rendez-vous à ne pas manquer les lundis et les jeudis. À bientôt pour d'autres idées.